Vragen, hè? Als jullie bij de makelaars gaan informeren, moet je aan mij geen informatie vragen. Pieter Jan, bel je maar overal rond, hè? Daar stop ik bij info te geven, zo simpel is het. Lütfen o soruyu bana sormayın. Siz kendiniz sorunun yanıtını bulmuşsunuz zaten. O yüzden bana sormayın bu soruyu. Ne? Tamam. Bu sabah da antrenmanda yoktu Dimat'sa demek ki bu bir öngörü. Akıllısınız efendim. Vous traduisez d'abord? Oui, d'accord. Antrenmanda genç bir arkadaşımız vardı. Yeni Davul yeni oyunculardan. Evet, katılıyorum yarın maça. Ce n'est pas le seul jeune dans lequel je vois beaucoup de possibilités, hein. Donc ce qu'on a écrit sur le match qu'on a joué à OLM2, j'ai jamais donné mon opinion. Ça aussi, c'est les journalistes qui se mettent à ma place. Je fais tant qu'ils arrêtent de mettre des mots dans ma bouche. Mais voilà, il y en a beaucoup chez les jeunes dont je suis content. Entre autres, Daoulou. Le fait que Daoulou il est là, c'est parce que les jeunes ils sont partis pour le Youth League. Hier, ils se sont qualifiés. Et lui, il est trop vieux pour jouer dans le Youth League. Et voilà, il aurait dû s'entraîner tout seul. J'ai dit, non, on va le prendre avec nous. Et comme ça, il peut, hier et aujourd'hui, s'entraîner avec le noyau A. Et le joueur, il fait bien. Donc, pour nous, c'est un plaisir de l'avoir avec nous. Attends. D'accord. Maça katılacak olan tek genç arkadaşımız kendisi değil, Davulu değil. Hiçbir zaman fikrimi ben beyan etmedim bu konuyla alakalı. Basın kendisi genç arkadaşlarla kim oynayacak, kim oynamayacak bununla alakalı kendi fikrini beyan etti. Davulu diğer genç oyuncularımız gibi Youth League'e katılamadığı için, bunun için yaşı geçmiş olduğu için yarın aramızda olacak. On a à cœur de gagner parce que on veut se lancer, on sait qu'on a toujours les possibilités de pouvoir le faire. Donc maintenant il nous reste à y aller et à donner tout ce qu'on a sur le terrain. Maintenant, est-ce qu'on joue notre avenir forcément parce que on a mal commencé nos deux premiers matchs en termes de résultats. Donc c'est sûr, maintenant ça va être un match intéressant, mais pour autant il faudra rester concentré et pas se mettre de pression particulière. Elbette ki yarın kazanmak için oynayacağız. İlk iki maçın sonuçlarımız, ilk iki maçta sonuçlarımız çok iyi değildi. Yarın çok enteresan bir maç olacak eminim. Pour moi, ces deux matchs importants contre Fenerbahçe deux fois, ça va en effet, comme vous le dites, décider probablement de nos possibilité pour le reste dans l'Europa League. Si ces deux matchs ne se déroulent pas bien, notre histoire termine déjà là. Donc c'est clair que ces deux matchs, ici contre Fenerbahçe et là-bas, vont être très importants pour nous. Benim için iki maçın sonucu da elbette ki çok önemli. Önümüzde iki maç var. Fenerbahçe maçı Avrupa Ligi'ndeki kalıp kalmamamızı sonucunu verecektir elbette ki bize. Evet, Fenerbahçe'de de sorun olduğunu biliyoruz. Bu sizin için, sizin açınızdan siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Ik denk dat het voor hen ook een andere competitie is. Ik denk dat zij het inderdaad in de competitie moeilijk hebben. Ze op zoek zijn naar overwinningen om terug te kunnen opschuiven.
Maar dit is een andere competitie waarin zij het voorlopig beter doen dan ons. Ze hebben een thuismatch gewonnen tegen Ternava. Dus ook voor hen is het, denk ik, zijn het ook twee belangrijke matchen om in de Europa League proberen door te gaan. Dus ik denk dat dat ook een van hun doelstellingen is. Maar dat is voor ons ook het geval en dat zal voor Dynamo Zagreb niet anders zijn. Dus ik denk dat die drie ploegen, alle drie, hoopten van zich te kwalificeren. Dus één van de drie zal ontgoocheld zijn en het ziet er niet naar uit dat dat Dynamo Zagreb zal zijn. Dus dan zal dat wellicht één van ons twee zijn. Benim kanımca Fenerbahçe için farklı ve zor bir lig. Elbette ki onlar da kazanmayı planlıyorlar. Evde oynadılar, yendiler. Avrupa Ligi'nde onlar da elbette ki devam etmek istiyorlar. Zagreb, Fenerbahçe ve biz Anderlecht olarak elbette ki üçümüz de devam etmek istiyoruz. Şu aşikar ki Zagreb kaybeden olmayacak. Yani Fenerbahçe ve biz bizim aramızda geçecek sonuçta. Et en même temps, c'est comme le Zagreb, le Fenerbahçe, c'est un public très chaud, même à l'extérieur. Est-ce que vous n'avez pas la peur d'avoir l'impression de jouer à l'extérieur Moi, je vais commencer. Ah oui. Stad'ın yarın dolu olmama ihtimali var. Bu durum sizi korkutmuyor mu? Yani. On doit être focalisé sur notre match. C'est si nos supporters sont avec nous et que le stade, plus il sera plein de notre côté, mieux ce sera pour nous. Maintenant, on doit rester concentré, nous, sur notre match et sur ce qu'on a à faire. Evet, yarın tribünler dışında da halk olması bekleniyor. Maça odaklanmalıyız ancak biz odak noktamız maç olmalı yarın elbette ki. Je crois que ça va encore être différent, hein, parce qu'en Belgique, il y a quand même une communauté turque assez importante qui vont essayer par tout moyen d'être présents. Donc, c'est possible qu'il y aura encore plus de supporters turcs que... C'est pas possible, c'est certain qu'il y aura plus de supporters turcs que des supporters croates de Zagreb. Donc, voilà, mais c'est le cas. Pour moi, moi je suis toujours favori des stades bien remplis. Donc, j'espère que le stade il sera bien rempli. Et naturellement, on espère qu'il y aura beaucoup de soutien de la part des supporters d'Anderlecht. Elbette ki şunu söylememiz gerekiyor. Belçika'da önemli bir Türk toplumu mevcut. Yarın Türk taraftarının da çok olmasını, sayıca çok olmasını bekliyoruz. Şu açık Hırvat taraftarlarından daha fazla olacak yarınki Türk taraftarlar ve ben de kendim stadın dolu olmasından yanayım. Fenerbahçe'de yeni bir başkan göreve geldi. Teknik direktör Filip Koku göreve geldi. Değişim içinde takım. Tabii ki takip ediyordur maçlarını. Zor günler yaşıyor özellikle ligde. Ve bu maç çok farklı olacak Fenerbahçe için. Bu maçı ve kendilerini nasıl ettiler? Zoals u heeft gevolgd via de pers, hebben we bij Fenerbahçe een nieuwe voorzitter en een nieuwe coach, Kokke, zoals u weet. Het is voor ons bij Fenerbahçe een moeilijke periode, maar wat denkt u hiervan? Wat is uw visie hierop? Wij staan er natuurlijk ver vanaf. We volgen wel een klein beetje, maar we kennen niet al de details. Dus ik heb onlangs gelezen dat de voorzitter toch zijn coach volledig heeft gesteund in deze en heeft gezegd dat zij verder samen willen werken. Dus ik denk dat dat altijd plezant is als coach om de steun van uw voorzitter te krijgen. Ik denk nu dat het aan de coach is om te proberen de zaken te laten keren. Hè. Ik wens hem heel veel succes in de competitie en iets minder succes in de Europa League. Evet, biz biraz durumun uzağındayız ve basından takip edebildiğimiz kadarı sadece size birkaç şey aktarabilirim. Başkanın antrenörü desteklediğini okudum yakın zamanda ve
benim açımdan, benim bakışımca bu önemli bir şey. Antrenöre ligde başarılar diliyorum. Elbette ki Avrupa Ligi'nde daha az başarılar diliyorum. Evet, devam etmek için yenmemiz mi gerekiyor yoksa şansımız kalır mı biraz sizce? Ik denk dat een zoals ik gezegd heb een belangrijk tweeluik is, dat die twee matchen belangrijk zijn. Uiteraard starten we liefst met een overwinning thuis, dat is duidelijk. In het geval dat dat niet het geval is en dat je gelijk speelt, is het nog niet over. Maar dan moet je Ginder al een stunt gaan doen om Ginder te gaan winnen. Hè. Dus, verliezen is uiteraard uit den boze, want dan is het helemaal over, denk ik. Dus we moeten er alles aan doen om thuis proberen te winnen. En we zullen zien. Lukt dat zoveel te beter, dan zijn we er nog niet. Dan staat er nog een heel moeilijk duel in Fenerbahce voor de deur. Als je gelijk speelt, ja, dan maak je het alleen nog moeilijker in Fenerbahce, want dan ben je bijna verplicht om Ginder te gaan winnen. Dus, voilà. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi evde kazanmak isteriz yarın. Eğer yarın berabere kalırsak Fenerbahçe'ye gittiğimizde maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Berabere kalırsak dediğim gibi çok zorlu bir maç olacak Fenerbahçe'de. Elbette ki eğer yarın kaybedersek bizim için devamı çok zor olacak. Bak, frage, bir question. Başka oui. Sorularınız var mı? Evet Thomas, 13 maç oynadın sanırım. Statların doluluğu senin için ne kadar önem arz ediyor? Moi ce qui m'intéresse c'est de gagner les matchs. Donc les statistiques elles sont importantes mais il faut pas les dévier de leur nature. Maintenant, c'est sûr que c'est plus facile de gagner les matchs quand on n'en encaisse pas, parce que ça veut dire qu'il suffit de mettre un but. Mais aujourd'hui, comme sur les 13 matchs précédents, le seul objectif de l'équipe, c'est de gagner les matchs. İstatistikler önemli, ancak daha da önemli olan şey maçı kazanmak benim kanımca. Merci beaucoup, thank you well. Çok teşekkür ederiz. Thank you.